je vais kiffer cette soirée. C'est la première fois que je viens à Nantes. Public extraordinaire. Tout de suite, petit test pour savoir s'il y a des bougnoules dans la salle. Attends, attends. On sait, il y en a toujours. Attends. Salam alaikum. Alaikum. Salam. Bande de sales bougnoules. Eh ouais, moi j'ai le droit de dire bougnoule. Si tu veux faire des vannes sur les arabes, il faut être arabe. Si tu veux faire des vannes sur les noirs, il faut être noir. Si tu veux faire des vannes sur les juifs, il faut un bon avocat. Très important. Alors bonsoir mesdames et messieurs, je me présente à vous, je m'appelle Foudil. Attention, pas Faudel, hein. S'il vous plaît, hein, Foudil. Moi, les chanteurs de rail qui votent à droite, je ne comprends pas. Non, les chanteurs de rail qui votent, déjà, je comprends pas. Non, les chanteurs de rail, je comprends pas. Car c'est ici que je suis né. Ferme ta gueule, ferme-la ta gueule. Putain, je te jure. Eh putain, eh. Oh là là. C'est ici que t'es né, si tu continues à chanter, c'est ici que tu vas crever, mon gars. Bon alors, voilà, vous dites, encore un arabe qui fait un one-man show, il va nous parler de la banlieue, il va nous parler des arabes du bled. Non, pas du tout. Pas du tout, je suis là pour vous parler de l'âge d'or de la civilisation arabe. Le saviez-vous, mesdames et messieurs, que nous autres, les Arabes, avons inventé plein de choses. La médecine, c'est nous. Les mathématiques, c'est nous. L'astronomie, c'est nous. Yo, 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 yo. Ma question est la suivante. Comment on en est arrivé là aujourd'hui? Putain. Dur, mon Dieu. Y'a eu. Hey. On était là, on était au top. Irraq in'addin. In'addin Morano. Attends, qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui? Je vais vous le dire. Une poignée de stéréotypes. Racaille, voleur, terroriste. Encore que voleur, aujourd'hui, je tiens officiellement à remercier la communauté roumaine. Oui. D'avoir récupéré ce stéréotype que nous avons si difficilement porté durant toutes ces années. Vraiment, merci les Roumains, merci les Roms. Tous les chemins mènent à vous. Alors, c'est vrai. Attention, je dénonce les stéréotypes. D'ailleurs, vous n'êtes jamais posé la question de savoir qui décernait les stéréotypes? Qui a décidé comme ça, un peu arbitrairement, que tous les Arabes sont des voleurs, tous les Portugais sont poilus, tous les Juifs sont... Tous les Arabes sont des voleurs... Ah ben moi, je me suis dit, si ça se trouve, il doit exister une espèce de cérémonie secrète, un peu comme les Oscars à Hollywood, où on décerne le prix du stéréotype. Vous avez toutes les communautés qui sont là, hein, et un mec au milieu en smoking, il est là, avec une enveloppe. Et le stéréotype de voleur cette année est attribué à... Petite enveloppe. Ah, je le savais. Les Arabes. Eh oui, mais attends. Alors dans le public, ça gueule. Les Blancs, ils sont pas contents. Ils disent, ah, chaque année, c'est eux qui gagnent. Nous, on gagne jamais rien à la cérémonie des stéréotypes. On gagne toujours la même chose. Pédophile. Ah, ils sont pas contents. Eh. Et curieusement, à la fin de cette cérémonie, ce sont toujours les Noirs et les Arabes qui repartent les bras chargés. Eh Mamadou, t'as eu quoi, toi, comme prix? Eh bien, moi, j'ai eu rythme dans la peau, cours vite et gros sexe. Saleté stéréotype. Mais attention, mesdames et messieurs, hein, c'est pas la question, hein, je suis plus ou moins content d'être arabe. Simplement, je dis qu'il y a des avantages et des inconvénients à être arabe. D'ailleurs, c'est le plan de mon passage ce soir, mesdames et messieurs. Grand 1, les avantages d'être arabe. Grand 2, les inconvénients. Grand 2. Oui. Vous doutez bien qu'il n'y a absolument aucun avantage à être arabe, ça se saurait. Premier inconvénient, l'accent arabe. Difficile de s'intégrer avec un tel accent. Et là, je ne peux m'empêcher de vous parler de mon cousin Hicham. Mon cousin Hicham qui vient tout droit du bled. Mon cousin Hicham, sa particularité, c'est qu'il drague des petites françaises sur internet en se faisant passer lui-même pour français. Ça donne ça. Soyez attentifs. Mon cousin Hicham qui drague sur internet. Tididididid. Sali, si Jérôme 56. Stéphanie, vous, t'es là? Laisse béton, Hicham, je t'ai reconnu. Comment ça se fait, tu m'as reconnu? Même quand t'écris, t'as l'accent. Sa mère! K-S-T-F, qui stifie? Je cherche Mehdi, tu ne l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu, mais à mon avis, tu ne vas pas le trouver. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'il est 14h. Et alors? Il ne faut pas chercher Mehdi à 14h. Je ne sais pas, chercher vers 15h, ou 16h. Loul! 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 Ouais, Loul!
les claviers au Maroc, ils font 10 mètres. MDR, PTDR, XPTDR. Hey, Stéphanie, je passe du coca light, mais... C'est quoi ton genre de mec? Moi, mon genre de mec, c'est un séducteur. Un homme qui puisse séduire toutes les femmes de la planète sans coucher avec. Ça s'appelle un PD. Ça, c'est mon cousin Hicham, je l'adore. J'adore, évidemment. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, le secret d'une intégration réussie passe indubitablement par la maîtrise de la langue française. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'efforce chaque jour d'apprendre un nouveau mot afin d'enrichir mon lexique. Ah, ce matin, j'ai appris le mot magnanime. Je savais ce que ça voulait dire, mais la définition exacte. Tenez, madame, la définition exacte de magnanime. Demande, je vais te la dire. Alors, magnanime, quelqu'un qui est magnanime, c'est quelqu'un qui dit des choses, qui, quand il les dit, être magnanime, c'est une prépondérance à une action qui serait subordonnée à une autre, mais qui ne serait... Par exemple, quelqu'un qui est magnanime, il est là, il va dire « ouais, non, et tout », et l'autre, il dit « ouais, peut-être », et l'autre, après, il dit ça, sauf que là, oui, non, oui. Ça va, je sais très bien ce que ça veut dire, magnanime. Magnanime, c'est par exemple, il y a deux personnes. Il y en a un qui est magnanime, l'autre il l'est pas. Il vient, il voit l'autre. Il dit, dis donc, toi, tu serais pas un peu magnanime? L'autre il dit, ouais, comment tu sais? Il dit, parce que j'ai vu que t'as dit. L'autre il dit, non. Et... Ah ouais, ça. Tout le monde a compris, sauf toi. Voilà. Donc, le secret d'une intégration réussie, la maîtrise de la langue française. Deuxième secret d'une intégration qui fonctionne. Parce que moi, je suis né en France, je parle français, je paie mes impôts en France, j'ai fait mes études en France, et malgré tout, parfois, j'entends « tu dois t'intégrer ». J'ai dit « putain, qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Ça y est, j'ai trouvé, mesdames et messieurs, le secret de l'intégration, je l'ai trouvé. Je vous le révèle. Oui. La picole. Hey, depuis que je picole, je suis français. Hey, je te jure. Dis donc, il est arabe, lui. Mais non, regarde, il a du vin rouge. Il est de notre... Ah ouais, c'est moi, le droit à jouer, voilà. L'intégration par le vin, mesdames et messieurs. Pourquoi s'emmerder à créer un ministère de l'identité nationale alors qu'il y a un carrefour de panissiers qui fait la bouteille de Beaujolais à 2,50€? L'intégration par le vin. Eh oui. Moi, je le dis haut et fort, dans les banlieues, ce n'est pas du Karcher qu'il faut, mais du Saint-Émilion. Eh, ma vie a changé, hein, ma vie a changé. Fini les contrôles d'identité de la police. La dernière fois, il y a un flic qui m'a arrêté, j'étais bourré, il m'a dit « papier ». Je lui ai dit « 6 ans ». Il m'a dit « fous-moi le temps ». Il m'a regardé, il m'a dit « eh ben, elle est belle, la France ». J'ai dit « ouais, merci ». Je suis français. Troisième secret d'une intégration réussie, fréquenter une jolie Française. Ça, ça fonctionne bien. Ma fiancée s'appelle Jessica. J'ai toujours craint le jour où j'allais présenter Jessica à ma mère, parce que ma mère, comment vous dire, ma mère, c'est pas qu'elle soit pas ouverte d'esprit, ma mère. Ma mère, elle est raciste. Elle me l'a dit clairement, elle m'a dit « Wallah, je te vois avec une Française, je la tue, je te tue, je vous tue. » Et j'ai toujours craint le jour où j'allais présenter Jessica à ma mère. Alors Jessica, pour vous la décrire, elle est grande, belle, blonde, intelligente, et pour ne rien vous cacher, elle est médecin. Hein? Oui, ma femme est médecin. Allez-y, vous pouvez dire « oh, arrêtez !» Moi, ma femme, je l'aime pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'elle fait. Elle aurait pu être ministre, chirurgien ou avocate, je l'aurais aimé pareil, alors... Non. Il se trouve qu'elle est médecin, et ce jour que j'ai tant craint est arrivé. Le jour des présentations avec ma mère. Un grand moment. Maman, Jessica, Jessica, maman. Ma mère. Vous c'est qui? Vous c'est qui? Maman, calme-toi, elle est médecin. Il est médecin? Ma fille... Ma fille. Il est médecin, il est médecin, il est médecin. Et là, ma mère, elle a un vieux réflexe. Elle orientalise les prénoms français. Comment tu s'appelles? Jessica. Tu veux boire quelque chose, Jamila? Non. Sur ce, mon père arrive, d'un pas décidé. Il aperçoit Jessica, il la rassure. Qu'est-ce qui c'est ça? Tu es française? Tu bois de l'alcool? Tu manges du halouf? Hein? Tu es médecin? C'est bon le halouf. Là, on passe à table, repas classique chez nous, 300 personnes. Jessica me dit, mais c'est un mariage? J'ai dit, non, c'est un mardi.
Et là, c'est l'ambiance traditionnelle des repas de chez nous. Les repas de chez nous, c'est très folklorique. Il y a des cris, des rires, des pleurs, des gamins qui courent partout, de la musique orientale. Et moi, j'adore comparer le repas de chez nous avec le repas français traditionnel bourgeois. J'insiste bien sur bourgeois. Parce que là, c'est une ambiance très austère. Ça parle philosophie, politique. T'as le père, la mère, la fille, le fils, dans un silence de mort. T'as d'abord le père qui est là. Non, non, non et non. Une politique économique ne peut pas être adaptée à un marché européen. Voyons, François-Xavier. Le fils, papa, tu n'es qu'un pessimiste de la vie. La fille, moi je suis une écolo, vous avez bousillé la planète. La mère, oh mais calmez-vous, j'ai préparé un clafoutis. Bon, chez nous, c'est pas pareil. Chez nous, il y a mon petit frère, il arrive, il ouvre le frigo, il le referme, et il fait, franchement, qui c'est qui a mangé le dernier yaourt? Je l'avais caché derrière les merguez. Franchement, ça se fait pas de manger le dernier yaourt. C'était mon yaourt. Vous mangez yaourt des gens. J'aimerais bien que moi je mange mon yaourt. Voilà, je l'avais mis de côté pour regarder le match de foot. Jessica, elle le regarde, elle dit, mais va quand même pas pleurer pour un yaourt. Je dis, Jessica, tu ne sais pas, chez nous, le yaourt, c'est sacré. Ça se vend par 8. On est 12. Alors, ce qui a le plus étonné Jessica durant le repas, c'était de nous voir rester à table pendant que la police perquisitionnait l'appartement. Pour nous, c'était normal, on avait l'habitude. On dit, ouais, il y a les keufs, qu'est-ce qui se passe? Jessica était choquée, elle a dit, mais il y a la police chez vous? Heureusement, mon petit frère était là pour la rassurer. Il lui a dit, ouais, Jessica, t'inquiète pas, oh, ils trouveront rien. Et là, elle lui dit, ah bon, et pourquoi? J'ai tout mis dans ton sac. Ça, c'est mon petit frère. Je l'adore, mon petit frère. Mon petit frère, c'est un délinquant. Hein? Vous voyez les émissions tard le soir sur TF1, c'est lui. Mais un délinquant étourdi. Une fois, je vous raconte cette anecdote, il sortait de la chambre avec un sac, je le regarde, je dis, toi, tu vas faire un braquage. Il dit, non, je ne vais pas faire un braquage. Pourquoi tu dis que je vais faire un braquage? Ne me prends pas pour un con, je vois bien que tu vas faire un braquage. Il dit, moi, je ne vais pas faire un braquage. Je dis, si, tu vas faire un braquage. Il me dit, non, je ne vais pas faire un braquage. Je lui dis, si, tu vas faire un braquage. Et là, il me fait, moi, je vais faire un braquage. délinquant étourdi. Il est fou, il est fou. Donc après le repas, il y a mon père qui va dans le salon, il est installé dans son fauteuil tranquillement. Il m'appelle au loin. Faudil ! Faudil ! Faudil ! J'arrive en courant. Qu'est-ce qui se passe, papa ? Qu'est-ce qui se passe ? Donne-moi la télécommande qu'il est là. L'autorité du père maghrébin, ça c'est unique en son genre. Il ordonne, tu exécutes. Just do it. J'ai toujours été fasciné. Mais alors fasciné par mes petits camarades de classe avec qui j'avais grandi, notamment Julien, qui avait le courage de répondre à ses parents. Et je me rappelle, c'était avec Julien dans la chambre, on jouait, et sa mère entre, elle dit, Julien, tu ranges ta chambre. Je t'emmerde, maman. Julien, comment tu parles à ta mère? T'as jamais pris de raclée? Et là, il m'a dit, non, c'est interdit par la loi. Ah bon? Mais je la prends. Bon, du coup, je me suis dit, je vais faire pareil. Ouais, mauvaise idée. C'est mon père, un jour, qui me dit, Faudil, tu prends les clés de la voiture, t'emmènes ta mère faire les courses. Non, papa, cette fois-ci, je n'irai pas. C'est toujours à moi d'y aller, cette fois-ci, je n'irai pas, OK? Qu'est-ce que t'as dit? Non, t'as le droit de t'exprimer, vas-y. Mais qu'est-ce que t'as dit au début? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, où sont les clés, papa? Où sont les clés? Voilà ce que j'ai dit. L'autorité du père maghrébin. Mais tout ça, c'est une question d'éducation. L'éducation, c'est évidemment important. Donc je compare l'éducation de Julien et la nôtre. Hein? L'éducation de Julien, elle est basée sur le dialogue avec l'enfant, l'écoute. Et vous avez le deuxième mode d'éducation, l'éducation africaine. Ah, attention, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, vous avez plusieurs pères de famille. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Vous avez tout d'abord, j'enlève ma veste pour vous en parler. Vous avez tout d'abord le père turc. Mesdames et messieurs, le père turc. Si vous voyez un père turc dans la rue qui cherche son gamin pour lui mettre une raclée, appelez la police. Ça finit dans les faits divers. T'as un mec dans la rue, torse nu, avec un bide comme ça, une moustache et un sabre. Cegulo. Mamat! Mamat! Wallah, sikerim, cegulim, Allah halam! Mamat! Et là, il vient vers toi, il fait, vous, c'est pas vu, Mamat! C'est pas pour taper, c'est pour parler! Avec un sabre!
Et là, il va vers son fils, il fait « Maman, un bras. » Donc là, il n'y a pas de dialogue avec l'enfant, il n'y a pas de... Hein, c'est direct, c'est radical. Je vais aller très vite. Après, vous avez le père qui m'a le plus traumatisé dans ma vie. C'est le père gitan. Ah, le père gitan, il a un mode d'éducation qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, comment dire, sauvage. J'en fais encore des cauchemars aujourd'hui. Je vous plante le décor. On est là, tous assis. Tu vois juste le fils gitan passer. Ah ! Et t'as le père derrière. Vas-y, cours, cours, pars, vas-y, cours ! Pars, cours ! Pars, hein ! Pars, hein ! Il court plus ! Ramon dit Schneko, Rasta la moulina, mange mes morts ! Qu'est-ce que vous avez à regarder ? Qu'est-ce qu'il veut, mon moulin ? Remonte dans ton cocotier ! Pars ! Qu'est-ce qu'elle veut, la merguez ? Un barbecue ? Pars ! Et le pire, c'est quand tu apprends pourquoi il tirait sur son gamin. Je t'ai dit 1000 fois que le papier toilette, c'est pour les invités ! Pars ! Mais ne l'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que l'on soit noir, blanc, arabe, chinois, dans la vie, il n'y a qu'avec un père sévère que l'on persévère. Alors, évidemment, hein, je vous ai dit, avantage, inconvénient à être arabe. Je me rends compte, finalement, qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'avantages à être arabe, que des inconvénients. J'ai plus qu'à me foutre en l'air, me suicider ou travailler chez France Télécom. J'ai cru qu'il n'y avait que des inconvénients jusqu'au jour où j'ai assisté à un des plus grands événements de notre siècle. J'ai vu dans la rue le peuple tunisien, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté, suivi du peuple égyptien, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté, suivi du peuple libyen, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais de vivre dans ce beau pays qu'est la France, qui me donne cette liberté d'expression que d'autres n'ont pas. Alors j'en profite, je valse avec Marianne sur un air de liberté, aux saveurs de jasmin, en buvant mon thé. Des larmes de joie ont remplacé les pleurs, les Arabes s'expriment et oublient leurs peurs. Les dictateurs tombent sur un sol arable, fini l'hiver sombre, c'est le printemps arabe.